Grace, organisatrice et promotrice de Univers Mode et Art. Univers Mode et Art se veut désormais la rencontre annuelle de tous les entrepreneurs de la communauté immigrante, soutenue par les entrepreneurs qui sont déjà établis ici à Québec. Donc ce soir, on lance la toute première édition de Univers Mode et Art. Et vous allez voir, tantôt il y a l'animation, c'est une folie, c'est une joie totale. On a la présence de la députée fédérale Bokoni Walou qui nous accompagne, qui va bientôt procéder au lancement. Donc Univers Mode et Art, c'est quoi? C'est donner de la visibilité à tous les entrepreneurs. On dit souvent les jeunes pousses qui essaient de mettre sur pied une activité, qui ont des idées, qui entreprennent. Pourquoi Univers Mode et Art? Souvent, on croit que les entrepreneurs, c'est ceux qui sont dans les bureaux, qui sont costumés, mais non. L'entrepreneuriat, c'est aussi des gens qui innovent, des gens qui ont des idées, que ce soit artistique, les stylistes, que ce soit dans l'art de cuisiner, que ce soit des idées pétillantes, innovantes. Voilà, tout le monde, on est tous des entrepreneurs. Et désormais, Univers Mode et Art veut promouvoir l'entrepreneuriat d'ici, l'entrepreneuriat de la communauté immigrante. Puis la communauté immigrante, ce n'est pas seulement une entité, c'est tout le monde. Ce soir, vous allez voir, c'est fabuleux. Il y a de toutes les nationalités, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Maroc, Laos, on a de partout des entrepreneurs qui sont venus soutenir. Même les mannequins sont aussi, font partie de la cohorte des entrepreneurs. Donc, Univers Mode et Art, désormais, c'est l'entrepreneuriat au pluriel. C'est l'entrepreneuriat pour tout le monde. Et vous êtes invités à soutenir l'initiative. Cette édition, on l'a fait avec nos moyens. Puis on vous invite à élargir pour que les prochaines éditions se déroulent merveilleusement. Merci et vive l'entrepreneuriat, vive le Québec, vive la diaspora. Thank you.